Salut tout le monde, bienvenue sur Coffee Gaming. On continue sur la 3DS, on vient de terminer le Kirby Robobots juste avant. Et là on enchaîne avec le Star Fox 64 3D. Donc la version remasterisée du premier Star Fox sur Star Fox d'origine sur 64, qui est en fait le deuxième, du coup. Enfin, le troisième si on prend en compte que le 2 n'était pas sorti. Ah, petit hein. Donc voilà, le remaster du Star Fox sur 64. Et coucou Concarax. Comment tu vas? Tu viens de rater. Hervé qui vient de passer. Putain. La mouvance des personnages. Pépillard. Vous savez, c'est le fameux. C'est celui qui vous dit. D'ailleurs, ça me rappelle. Faut que je teste le vrai Dinosaur Planet, un de ces cas. Code 9, Koukarax. Je préfère l'intro du tout premier avec le good luck. Elle était cool l'intro du premier, surtout quand tu. Enfin, moi je vous rappelle que mes deux premiers jeux Super NES c'était Star Wing et Zelda. Des jeux incroyables et magnifiques. Allez! Du coup il faut que je désactive le mouvement. Parce qu'à priori on peut tout contrôler en motion. En commande. Ok, alors. Non, ça va, c'est. Bon, on teste un petit peu. Ah, c'est cool, il y a le même style de truc que pour le. Que sur Star Wing. On pouvait vraiment tout tester. Donc, turbo. Ok. Train. Laser. Et puis la bombe. Alpha Mosso. Et du coup, on peut faire des figures avec ça. Et même des demi-tours. Ok. Je sais pas si je préfère pas inverser l'axe Y ou pas. Par habitude, ouais. Je serais peut-être mieux avec ça. Je serais mieux avec le. Avec le laser là-dessus, ouais. Ça me paraît pas mal. Hop, on prend ça. Ça nickel, Conquerax. Car il aurait pas y jouer une heure, le jeu est assez instable. Comment ça il est instable? Genre il plante vraiment sur 3DS et tout? Genre, ça existe des jeux qui plantent sur 3DS? Quatrième planète du système de Lylat. Andros, le démoniaque. Beaucoup de Deuxworm. Cet univers paisible en chaos absolu. Le général Pepper de l'armée cornérienne réussit à bannir ce savant maléfique. Le général Pepper a moitié docteur. Sur la planète désertique de Venom. 5 ans plus tard, le général Pepper enregistra des activités suspectes provenant de Venom. James McCloud, Pygma Dengar et Pepe Air de l'équipe Star Fox furent envoyés sur Venom en reconnaissance. Cependant, ah oui, c'est le cochon, c'est vrai. Ses coéquipiers et James et Pepe furent capturés par Andros. Pepe parvint à s'échapper et à son retour. Ah, tu vois le Dinosaur Planet, t'es grand pour parler de Fox, le fils de James. Les années ont passé et Andros a de nouveau envahi le système de Lylat. Le général Pepper a fait appel à une nouvelle équipe Star Fox commandé par Fox McCloud afin de sauver Corneria et Lylat. On va être plus occupé à sauver nos coéquipiers que Corneria ou Lylat, je pense. Alors, le Sapin 64, j'ai fini à la base une fois il y a très très longtemps. Oh merde. Pourquoi? Parce que j'ai racheté une Nintendo 64. Pourquoi ça va être en 2007? J'avais pas encore le permis en 2008. Je me rappelle que j'avais été à chercher un roller à une demi-heure, une heure de la maison, en pleine nuit. Et le premier jeu que j'ai testé, c'était celui-là, parce que je l'avais pas eu à l'époque, et que du coup, il était vendu avec. Et je me suis mis une petite plaque. Le narrateur, c'est le même que le narrateur de Fire Emblem, Radiant Dawn, je crois, ça fait bizarre. Ah ouais? J'ai quand même l'impression qu'il vaut mieux éviter de trop bouger la console. D'accord. Je vais étendre... Ok, d'accord, t'es là. Toucher les grands tactiles. De toute façon, on avait déjà fait tout à l'heure. Non, là, normalement, ça bouge pas si je bouge le truc comme ça. C'est bizarre. Ok. J'espère que ça va pas prendre en compte la mouvance lors du temps. Non, c'est bon. Ça bouge pas. Rob que j'avais découvert pour la première fois dans Star Fox Command, que j'avais trouvé très sympa. Tout le monde dit qu'il est pas ouf, alors qu'en fait, bah, mine de rien, c'est circulaire pour voler. Mais c'est qui, Yugi l'ours là? Pour monter, pousse le pad circulaire vers le bas.
Ouais, je disais, ouais, le Europe, j'ai découvert comme ça sur le Star Fox Human, qui était vraiment pas mal. Et en fait, tu vois que c'est, ils ont vraiment réutilisé les restes de Star Wing 2 pour le faire. Oui, mais non. Non, je veux pas. Non, je veux pas. Non. Allez. Ça va être naze. Ah. Bon, excusez-moi, ça sonne. C'est le livreur, mon code. Bon, ça va, Manon, elle aura reçu que 5 colis aujourd'hui, c'est la table. C'est une lettre. Alors. Pas de circulaire pour les boutons. Ok. Non. N-O-N. Voilà. Sinon, on va tous vomir. Sur le bouton L ou R pour tourner rapidement. Le jour. Vous imaginez en fait? On demande un Star Fox, un truc comme ça depuis des années, à un F-Zero. Et le Metroid qui sort toujours pas. Imaginez en fait, c'est un plan. Y pour lancer une bombe. Appuie à nouveau pour la faire exploser. C'est un plan Nintendo. Parce qu'en fait, ils sont déjà en train de préparer leur future console. Qui est une console totalement VR. Pour tirer avec ton laser. Maintiens-le enfoncé pour charger. Là. Tu peux charger ? Et qu'en fait ils sont en train de préparer une console totalement VR. Et qu'en fait ils ont prévu de sortir leur prochain F-Zero Star Fox et leur prochain Metroid entièrement VR avec les sacs à vomi. Charger ton laser te permet de faire. Ça pour rigoler hein, mais. Vous imaginez un petit peu. Plusieurs ennemis à la fois pour gagner des points bonus. Une fois l'ennemi verrouillé, tu peux aussi lancer une bombe. Boom. Ok. Ah d'accord, on peut se faire un peu d'argent pour remplir ta jauge de bouclier. Ok. Passe dans 3 anneaux d'or pour augmenter ta jauge de bouclier. Yep. Passe dans 3 anneaux de plus pour gagner une vie. Oh. Récupère une option laser pour augmenter sa puissance. Bien. L'hyper laser est plus puissant que le double laser. J'ai l'impression qu'on peut pas cibler plus d'un ennemi. C'est moi. Récupère une option L pour. Alors, le jeu m'a dit d'en cibler plusieurs. Avec quoi là, voilà, je ne sais même pas. Voyons maintenant comment utiliser le turbo. Appuie sur le bouton X caméra pour utiliser ton turbo. Caméra 2 là. Caméra. On joue un petit freeze. Je crois qu'il est plus sur l'écran là. Je m'en fous, laissez la caméra. Okay. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai perdu ma caméra, et là, ok. Là, bam, et bam. Il est super concentré, les gars, c'est pour ça. Non, la dernière fois, on m'a dit pour la caméra, mais en fait, c'est juste que j'étais vraiment concentré, que je bouge pas. Appuie sur le bouton A pour freiner. Voilà, hop. Maintiens voilà. Le bouton enfoncé pour augmenter sa puissance. Il ne peut faire aucune manœuvre lorsque la jauge de turbo est rouge. Là. Pour faire un looping, pousse le pad circulaire vers le bas en utilisant ton turbo. Magnifique. Ah, j'ai pas réussi à le faire, dommage. Ouais, faut attendre que ce soit rempli entièrement, je crois. Ok. Yay. Yeah. Un petit peu et bon, je crois qu'on est quasiment à la fin. Ah mince, ouais bouton, ouais oui bouton. J'ai l'impression d'être un peu bourré quand même avec les contrôles hein. Pour recevoir les messages, touche l'écran tactile. Ici Rob, les performances s'améliorent. Merci, c'est ce qu'on me dit souvent. On est bon. Salut Fabrice. Merci Fabrice. Au mode c'est combat ciblé. Ok. Dans ce mode, tu peux voler où tu veux. Mais le repère jaune sur le radar indique ta position.
Okay. Si tu atteins la limite de la carte, tu feras automatiquement demi-tour. Comme ça. Appuie sur mais le bouton A. Il existe dans d'autres jeux cette ours parce que ça me dit absolument rien. Il était déjà dans le dans celui de base. Maintiens le bouton de Starfield 64, il me dit vraiment rien. Pour faire demi-tour, pousse le pad circulaire vers le bas en freinant. Pour tout le monde. Tu ne peux faire demi-tour qu'en mode combat ciblé. Appuie sur le bouton X pour utiliser ton turbo. Voilà. Pour faire un looping, pousse le pad circulaire vers le bas en utilisant ton turbo. Voilà. Merde. Il est derrière. Tu ne peux faire aucune manœuvre lorsque la jauge de turbo est rouge. Elle est rouge, hein. Appuie sur le bouton L ou R pour tourner rapidement. Et on peut faire des barrel rolls. C'est le plus important. Appuie sur le bouton Y pour lancer une bombe. Appuie à nouveau pour la faire exploser. J'ai totalement visé à côté. Bravo, Kofi. Appuie sur le bouton B pour tirer avec ton laser. Maintiens-le enfoncé pour charger. Yep. Appuie à nouveau pour effectuer un tir chargé. Charger ton laser. D'accord, vraiment, appuie tout de suite après en fait. Un ennemi. Ok, c'est bon savoir. Une fois l'ennemi verrouillé, tu peux aussi lancer une bombe. C'est un peu pas infini les ennemis ou je peux quitter le mode. Appuie sur droite sur la manette plus pour changer de vue. Ah. Ok. Bien. Le message. Ici, Rob. Tes performances s'améliorent. Merci, Rob. Un peu relou le robot quand même. Appuie sur Start. Et sélectionne. C'est bon, on peut se barrer. On peut se barrer. Enfin. On va pouvoir commencer le vrai jeu. Incroyable. Alors. J'ai bien aimé celui-là, mais le 2 est mieux, je trouve. Tu compares entre le commandé et le Starwing 2 ? Non. Alors. Bon, attendez le mode Nintendo 3DS vu que j'ai déjà fait le mode 64 sur la 64. Faut en profiter à fond. D'ailleurs, quand j'ai récupéré pour la première fois ma Super NES, une Super NES que j'avais racheté du coup pareil il y a une douzaine d'années, avec des jeux, les premiers jeux que j'ai lancés c'était Starwing et Metroid. Nouvelle mission. Enfin, vous voilà. Fox, par pitié, vous êtes notre seul espoir. Je ferai de mon mieux. Andros n'a qu'à bien se tenir. Il parle vite, hein. Bonne chance. Good luck. Je préfère le good luck, perso. Ouverture des ailes. Là, s'il y en a parmi vous qui ont fait le Star Fox Zero ou le Star Wing Zero, les animations du dialogue me foutent un petit malade. Mais non. Vérification du jet diffuseur. Parce qu'il y a tout le monde qui a craché sur le jeu alors que je l'avais fait à l'époque de sa sortie, j'avais trouvé très sympa. J'avais passé une dizaine d'heures dessus. J'ai essayé d'avoir les meilleurs scores et tout. Ici Sleepy, tout est en ordre. J'ai pas compris, t'es seul. Ils sont droit devant nous. À l'attaque! Ok. Qu'en est-il? Putain, c'est beau pour la 3DS. Je me rappelle qu'il est sorti l'année de la sortie de la 3DS. 2011, le jeu. Sleepy, reviens par ici! Ça a rien à voir avec le jeu original. Attention, Sleepy! Derrière toi! Voilà, déjà sauvé. Wow, merci. Plus facile de sauver les potes avec le système de ciblage en vrai. Putain, je savais pas qu'on pouvait taper dans ses potes. Ça, on pouvait pas le faire dans le jeu original. Enfin, dans le Star Wing original. Nous entrons dans Corneria City. Mais quelle horreur! C'est dingue pour du jeu 3DS en vrai.
pour un jeu de tortue aussi. Je m'attendais pas à ça. C'est beau, c'est fluide. T'es en train de tout rater, oui, je sais. Ouh, bonus là-bas. Ah ! Pas grave, j'ai eu quand même. J'en ai sous les ennemis dorés, ce serait bien. Alors attendez. J'ai moyen de. D'accord, je prends directement. Ok, fini. Ok. Attendez, Mano. Checkpoint. Ah, il y a carrément des checkpoints et tout. C'est bien fait. Max, descends mes poursuivants. Oh, t'as pas dit s'il te plaît. Mon jet diffuseur foire complètement. Accélère pour allez. Les poursuivre. Allez, allez. Tu peux m'aider, Fox? C'est ce que je suis en train de faire. Oh là, désolé les gars, mais je jette l'éponge. Oh ta mère. Je n'aime pas Falco de toute façon. Fais un tonneau. Je préfère le doux vers loin, moi. Quand est-ce qu'elle remonte la jauge de bouteille quand même? Bien. Ils font du ski nautique, du patin sur le lac. Allez, on aide. Et qu'on peut même les faire ici. Par contre, on veut pas faire une course si j'ai compris. Au moins, pas pour l'instant. Hop. J'ai raté plein de trucs dorés. J'ai trop hâte de voir les boss. Ils ont changé les polygones, mais carrément. Il va faire des beaux graphiques sur un réacteur, regarde s'il est carré. Ouais, mais après il est sorti un petit peu plus tard quand même. Merde, là je suis en train de tirer sur les copains. Voilà, attends. Les opposants puissants entrent au spéliron. Bam. Voilà. Je vais essayer mon coin. Voilà, merci bisous. Et on est bon. Bon, il est pas très dur, ça va. Seigneur Andros, roi, seigneur de la compote. Ah bien, mais mal, je suis pas habitué, c'est une Ekogami. C'est vrai qu'elle est pas... Elle est spéciale, on va dire. Elle est spéciale. Baby. Tu y es arrivé. J'avoue que j'ai douté de toi. Ça va. Tu ressembles de plus en plus à ton père. Appareil de Falco en réparation. De toute façon, on n'aimait pas. Ouais, j'ai pas très bien sauvé mes amis. Je crois qu'on arrive à ça, on a un vaisseau en plus, c'est ça. Y'a pas de mode facile, Tezol, y'a juste un mode 3DS ou un mode 64. J'ai pris le 3DS vu que j'ai déjà fait le 64. Enfin, j'ai déjà fait sur 64. Ah, je voulais dire, quand tu dis tu seras en facile, c'est en fait, il me donne un choix de planète par rapport à quand j'ai commencé le jeu, c'est ça? On choisit pas manuellement. Bien joué, Star Fox. Prenez garde aux ennemis dans le champ d'astéroïdes. Ah, vous le champ pouvez d'astéroïdes. Compter sur moi, mon général. Je n'ai pas dans le premier avec les vues à la première personne. Bonne chance. Good luck. Est-ce que ça va être la même ici? D'accord, Uni. Donc, la difficulté s'adapte à son gameplay. D'accord, je savais pas du tout. Qui est tellement bien. Je me rappelle quand j'ai rien entendu dans le Smash Bros Melee, putain. En route vers les astéroïdes. Pour la première fois de les années. Piu-piu-piu. Et c'est la même chose sur la version 64 ou par rapport à la difficulté ou c'est juste inhérent à cette version-là?
Wow, wow. Bien. C'est une méta 3D. C'est calme. Trop calme. Putain, faudrait que tu testes avec la mini 3D. C'est un piège. Utilise les bombes. Bombe. Ça, je n'ai pas utilisé une là. On va pas dire. Il réutilise vraiment beaucoup d'éléments du tout premier, c'est cool. Fais un looping. Ouais. Ah, d'accord, ça fait trop peu. Oh, wow, regarde ce qui arrive. Ok. Et on a déjà augmenté la vie. Yay. Ouais, franchement, c'est vraiment beau pour la 3DS. Je suis vraiment étonné, hein. Bon, vous avez l'image un petit peu agrandie, donc vous voyez un petit peu les... Le crénelage. Mais accélère pour traverser. On s'enfonce. Yes. Mes sacs. Position confirmée en voie de ravitaillement. Alors tout le monde, pas le temps. Ok. Pas le ravitaillement. S. Salut Sarah, va venir avec nous. Cool. Ah merde, fallait tirer dessus. Moi je vais ramasser la caisse. Allez, passez devant. Bien. Ils sont sur moi, je devrais être plus prudent. Mais non, regarde. Tu vas survivre. Voilà. Merci. On est bon. Fox. On va sauver le lapin. C'est vrai qu'ils sont vraiment, spéciaux les doublages. C'est pas forcément qu'ils sont mauvais, mais c'est en décalage, on dirait. Merde. Ah, voilà. Et je vous fais canner d'ailleurs. C'est vrai que je vous montre Assault aussi sur la GameCube, qui était pas mal aussi. Tout le monde un petit peu appuyé. Yep. J'avais pas visé directement. D'accord, c'est le. C'est l'ennemi de l'épilepsie, c'est ça. J'ai bien compris. Yay. Point de contrôle. C'est marrant quoi. Ah mince. J'ai vraiment descendu. Ah putain, j'ai descendu le crapaud là. Mon dieu. Maintiens le bouton P enfoncé pour charger ton laser. Tu peux aussi dérouler tes ennemis de cette façon. N'abandonne jamais. Suis ton instinct. Suis ton instinct. Ton instinct, tu devrais suivre. Voilà, doucement. Tire, Fox, tire. Bon sang. Pardon. My bad. Ça sent le boss. Je vais avoir un souci, comment ça je vais avoir un souci. Pas vous laisser passer. Oh, c'est bon, je peux me débrouiller tout seul, ils sont nazis, donc ça sert à rien de toute façon. Mais il est au crush. Voyons un peu ce dont vous êtes capable. D'accord, faut taper sur le coin, tu le verras à chaque fois. Voilà. Bien joué, Fox. Vous êtes plus rusé que vous en avez l'air. C'est bon. Sous-estimé. Mince. Qu'est-ce que vous dites de ça? Le train, là. Ah d'accord, il y a un truc au centre, j'ai pas vu. Mince, vraiment pas gaffe.
On l'a eu. Je ne suis pas digne de vous combattre. J'admets ma défaite. Ça sent le piège. It's a trap. L'autre qui est en train de se balader derrière, il n'avait pas pu me prévenir pendant ce temps-là. Il y avait une autre facette du vaisseau de l'autre côté. Enfin. Bah, c'est bon, facile. Incroyable! Je me suis fait battre par ça! Désolé, mais je suis pressé! Slip à la barre de vie des boss. Il n'y aura pas de barre de vie si tu descends. Quoi? Je vois pas le rapport de la barre de vie des boss et de mon slip. Ça va, ça va. Je suis touché, mais ça va. Entretien de l'appareil de Falco terminé. Ah bah nickel. Et yes en plus. Ah mais avec Slippy je comprends pas déjà ce que je veux dire. Ok. Bon, il était pas trop méchant comme boss, ça va. Il y a plusieurs jeux sur ce jeu en fait, en vrai ou pas. Nouvelle mission. En gros, descends pas ton slip, d'accord. J'essaie de retenir. Refouler les forces ennemies hors de notre base. Pas dans... À vos ordres. Bonne chance. Allez. Séparons-nous. Et à l'attaque. Comment ça, je pouvais passer un moyen? Oula. Je pensais que vous pouvez rentrer dedans. Je ne sais pas que les environnements ils étaient aussi détaillés sur le 64. Aussi renouvelé, pardon. Ah, c'est une aire de combat, d'accord. Ok. Dommage, petit. Et un de moins. Allez, on pique les trucs des copains. Yes. Ouais. Tain, j'ai du mal à bien repérer ce qu'il y a sur la minimap ou pas. Voilà, je me rappelle à qui me fait penser la voix de Sleepy Todd. Je suis son disciple, parfaitement. C'est Luke dans Layton. Je me disais qu'elle méritait cette voix, mais que j'avais déjà ce sentiment-là. Ouais, ouais, comme ton énigme, Luke. L'heure de la revanche a sonné. Je suis son disciple, parfaitement. On est d'accord, c'est la même voix. On est d'accord. Bon sang, quelqu'un peut s'en occuper. Voilà. Désolé, Star Fox, on ne peut pas vous laisser faire ça. Vous tentez-elle quand tu vas. De vous descendre. Wolf. Ça faisait longtemps. Les ennemis d'Andros sont mes ennemis. Il est méchant, pas très méchant. Star Wolf, on pouvait d'ailleurs jouer dans justement Star Fox Command. Mais j'arrive pas à tourner assez vite. Non. Bah, mets-toi devant moi si vous voulez. Mal au jouet. Mais je tourne, mais je ne te vois point. Tu n'es pas aussi bon que ça, finalement. C'est bon. Fox, flingue le type derrière moi. Ah, c'est ce que je fais, Jean-Luc. On a aidé comme ça autrefois. Prosternez-vous devant le grand Andros. Dommage, on peut pas trop choisir vraiment sa vitesse. Va bientôt rejoindre ton père, Fox. Mince, il est juste derrière moi. Eh ben dis donc, c'était juste. Je
Position confirmée. En voie de ravitaillement. Quoi, ravitaillement? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Mais j'arrive pas à les voir les ennemis, c'est chiant. Ah bah on a perdu Pépi. Hop, on a perdu Pépi. Je me demande si c'est pas sur lui que je tirais tout à l'heure, mais j'ai vu un truc rouge, donc je me suis dit que c'était un ennemi forcément. Bien. Ah, attendez. Faut que je récupère le ravitaillement. Il devrait être par là-bas. Voilà. Oui, une bombe. Je suis le grand. Ah, mais qui me tire dessus? Hop. Barrel roll. Non, c'est pas un barrel roll. Bien. Plus qu'un. Danger. Une minute avant l'explosion. Occupons-nous de ces rigolos d'abord. Mais il est passé où? Voilà, il est là. Merci, bisous. On est good. Cooling enfant, quand tu vas? C'est que je pense. Ah oui, j'ai oublié tout le temps, LR. Je vais tourner. On est good? Mince. Ouais, c'est pas fini. Attends. T'arrives pas à le semer celui-là. 30 secondes avant explosion. Bah oui, mais 2 secondes. Bien descendre, c'est du lose. Ah, j'ai du mal à repérer sur la map. Il me reste quasiment plus de temps. Mais il est où, bordel? Là? C'est lui? 15 secondes avant explosion. Ah, bordel. Je vais mourir. Il est où? Il est là! Voilà, une petite bombe. Putain, mais ça n'a pas eu la bombe? Putain, mais incroyable! C'est bon, on l'a eu! Allez, je vais m'occuper de la bombe! C'est bon! Voir voler Kofi, ça fout la gerbe, mais non. Du coup, on l'a eu juste à temps ou pas? Et je l'ai eu alors qu'on était à une seconde. Hein. On voit le professionnalisme quand même. C'est en train d'exploser pendant ce temps-là. Hey, on a réussi! Appareil de Pépi pour Hangar. Voilà. C'était juste, Fox. Et Present Play, comment ça va? C'était juste, Fox. Bon, il fout des claques. La souffle. Ravioli, là. Révali. Hop. Connais Present Play? Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures ou toutes les demi-heures lorsque vous utilisez le mode d'affichage 3D. Je vous rappelle que Nintendo était en mode « Waouh, c'est bon, la 3D, elle marche nickel, ça fait rien sur vos yeux. » Au moment de la sortie. Ok. Allez, on va dans le soleil. Ah, je pensais que c'était mon téléphone qui sonnait. Désolé. Ah, du coup, on peut choisir vers où on va. Donc là, vous voulez que j'aille en moyen? Allez, on va en moyen. Là, ça, encore un classique today, je l'ai repris sur 64. D'accord. Cette zone est un véritable four. Ne vous faites pas carboniser. Soyez raisonnable, Fox. Nintendo me doit moins 7 dixièmes à chaque œil. Bonne chance. Good luck. Il me le faut, le good luck. Oh, il va faire chaud. Oh yes! Merci beaucoup pour ce deuxième mois de sub. Person Play, merci pour ton prime. Oula. Je suis déjà en train de perdre de la vie, mais j'ai rien fait, c'est pas moi. On perd pas de. Ouais, et puis je vous donne mon café, bien sûr. Hop. Je suis censé faire quoi? Panique! Je veux juste regagner de la vie au fur et à mesure, j'ai l'impression.
D'accord, en fait ça va, y a des lits. C'est bien ça. Je me rappelle sur de Simo sur 64, il était pas si beau, hein. il était un petit peu cracra. Ça me rappelait la lave de Shadow of the Empire qui était sur 64, Star Wars. Les chauves-souris de feu, on est dans Zeldouille. Message. Merci. Il y en a plein partout. On contrôle déjà. C'est si merdique que ça comme niveau quand on est contre contrôle aussi. Pour une fois qu'on l'a sauvé. Bien joué. J'ai failli retirer. Ouais, il y a déjà plus de vie en vrai. Mince. J'ai pas de problème. Il fait trop chaud. J'en peux plus. De toute façon, on a grenouille de boîte. Yep. Bon. Oh, c'est vrai, il y a tout qui joue super bien sur ce niveau-là. Voilà, on fait tout le monde. Ah, il n'y a pas de fichu en vrai ce niveau. Position confirmée, envoi de ravitaillement. J'ai combien de bombes là? 7, bon, on va tout garder pour la fin, pour le boss de finale, hein, ça va bien. Bien. Ta-ta-ta-ta-ta. Mince. Non, non, je vais pas tuer la grenouille. Oh, un gros moche. Vulcain. Bravo, c'est complètement cinglé. Analyse terminée. Le voilà. Voilà. Allez, pas de bras. Pas de chocolat, ça en fera plus de courroie. De toute façon, ça va prendre sinon. Hop, barrel roll. Yes, de la vie. Ça se prend. Là, nous aurons du feu. Yes, on est bien. Attention. Là. Passe. Eh, nous m'envoie. Je crois que je vais les détruire. Bien. Si vous voulez, faut que je fais gaffe quand même. Merci pour la vie. Et c'est une victoire pour... Ah, on a presque, dommage. Il reste un pixel de vie. T'as au prix. De toute façon, la couillonnade. Aïe aïe aïe. Mais tu veux pas mourir à un moment? Non? Super! Allez, bon. Tu as réussi! Le pixel le plus haut du monde, quand même. Tu as pas vu les something about Star Fox sur YouTube, c'est vraiment ça. Ouais, j'ai déjà vu toutes les vidéos de Tamiel Montage. Hey ya! Je les adore ces vidéos là. Est-ce que j'ai l'air en pleine forme? Ouais, qu'à chaque fois que tu vois le Melee Fox, justement, t'entends les bruits de joystick et tout. Il nous faudrait le son, du Fox, de Terminal Montage. C'est l'avant-dernière ou l'avant-dernière, je peux pas regarder. Vous allez attaquer la base ennemie? Excellente initiative! Ça va pas être une vraie partie de plaisir. Tiens, et si pour arrêter les ennemis, on tuait les ennemis? Incroyable! Bonne chance. Montez en grade! Hey.
Et qu'on leur fera comprendre que pour gagner contre les ennemis, il fallait leur tirer dessus et pas sur leurs alliés. Ah putain, un tank. Ouais, j'aime pas les tanks. Voilà le train. Je m'en occupe. Aïe, merde. Envoie des rochers à moi en fait. Ne me prends pas au sérieux. Et voilà. Je suis naze avec ce mode là. Je fais ce que je peux, Pourquoi on m'a pas filé un vaisseau comme tout le monde d'abord? On est méchant. Derrière moi, on peut ralentir, voilà. Tiens. Comment ça se passe avec le long de la star? Tiens, je vais voir du long de la star. Clairement. Prends de l'altitude. Ah, que je plane, d'accord. On prend ça. Bien. Non, je l'ai manqué. Ah! J'ai pas eu le temps de prendre l'anneau. Le problème c'est que je peux pas viser là où je veux parce que faut que je dirige en même temps pour pas me prendre les cailloux. C'est juste horreur. Ah putain, c'est horreur. Mince, il est juste derrière moi. Voilà, sauvé. Je devrais te remercier, non? Ça m'appelle les vieux rochers dans Resident Evil 4. Ceux qui s'en souviennent. Et c'est pas censé faire des explosions et tout, non? Et alors, on a peur d'approcher. Tchou-tchou! Mince, je vais sauter plutôt. Prends de l'altitude! Bah, c'est ce que j'essaie de faire, mais il veut pas! Putain, en fait, dès que j'atterris, c'est trop tard, quoi. Je vais mourir. Donc il y a un point de contrôle juste devant. Ah, attendez, il y a les caméras qui ont encore un petit peu bugué. Ne faites pas attention, je suis très concentré. Hop. Voilà. Voilà pourquoi. Caisse de la vie. Interrupteur, quel interrupteur? Visez vite interrupteur pour ouvrir la sécurité. Oui. Je veux la bombe, je veux la. Ah, oui, c'est bon. Ça, ça va être le premier, c'est bon. Comme ça, d'accord, simplement. Position confirmée en 3, 4. Je ne pensais pas devoir utiliser ça. C'est sûr de chance. Nickel. Macbeth. Je vais la tirer vers l'avant. L'énergie de l'ennemi analysée. Ouais, merde. Je me cache. Oula, la caméra qui fait n'importe quoi. Accélérer. Bon, ça va se faire tellement vite sa vie. Game qui met du cas où. Mince. Fais des skills. Allez. Flingue le
type derrière moi. Oui, bah je fais ce que je peux, monsieur, je fais ce que je peux. Mais qu'est-ce que t'attends, Fox? Ok, mais il y a la basse. Si t'es pas content. Ton père m'a aidé comme ça autrefois. C'est bon, on l'a sauvé. Mince, je pense à faire la roulade, mais j'ai jamais le temps. J'ai pas le temps de m'ennuyer. Bien, ici. C'est bon. Donc je passe comme ça. Yes. Voilà. J'arrive vraiment pas à le flinguer correctement. Ah, voilà. Allez. Il croit. Il a quand même fait des dégâts là du coup. Ah! Parce qu'il faut le vider du train, d'accord. Là, je fais n'importe quoi. Bon, ça, j'ai encore de la vie. Attends, il y a des gars à terre aussi en plus. Hey Fox, j'ai besoin de ton père m'a aidé comme ça autrefois. On va l'avoir, on va l'avoir. Demi. Yes. Ça faut attendre à chaque fois, ça se roule le train, c'est chiant. Mince. Mince. Bien des bons. Voilà. Et on est bon! Yes! Il est tiré de Star Fox 2, ouais. J'ai bien cru y passer. Ouh, bébé. Si moi t'es une vraie purge quand j'avais fait sur 64, t'inquiète pas, c'est toujours une purge. Ça a pas changé. Ça a pas changé. Regarde-moi! Est-ce que j'ai l'air en pleine forme? Bon, ça va, on manque pas de vie, on manque pas de bombes. Ça devrait aller. Score total à Rocket 104. Attends, là, il y a encore un niveau avant le boss final ou pas? Il n'y a rien encore un niveau, et après c'est le final. Si vous détruisez le satellite, la route vers Venom sera ouverte. Soyez prudent, Fox. Je m'en charge. Monsieur. Bonne chance. Good luck. Faudrait que je trouve le son du good luck. Ok les gars. Détruisez les boucliers. Le moment que je fais, il me manque moins de lag que sur 64 aussi. Ah oui, sur 64, c'est vrai que t'étais à 20 images chez vous, un truc comme ça, non? Ah merde, je suis en train de tirer sur les copains. Tire là-dessus. Je te couvre, Fox. L'heure de la revanche a sonné. C'est bon, mec. Je capte fighting. Ça va tirer là-dessus, ça fait rien. Là, on peut pas cibler ça. Et après, ça fait vraiment rien, ça tire là-dessus. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Bizarre. Leurs vaisseaux ont aussi un bouclier. Oh, les vilains vaisseaux. Peut-être juste éclater un petit peu les aiguillons avant, puis après, on aurait une nouvelle. Question de vous laisser faire ça. Hop. Un œuf doré, troisième, parfait. Allez. Il n'abandonne jamais. Bien. Qu'est-ce que tu fabriques, Fox? Bah, je tue les ennemis, pourquoi? De la revanche a sonné.
Ah bah c'est bon, on peut en tirer sur la truc là-haut là. D'ailleurs ça marchait pas. Je peux enfin cibler. Ah tiens, ça marchait pas. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Tu ne m'échapperas pas, saleté. Et bon. De la revanche là-bas. Ah, raté. Voilà. Accélère. L'heure de la revanche a sonné. Voilà. Bien. Cœur et son cœur. Tu ne m'échapperas pas, saleté. Là-bas. De tout côté là, merde. Turne. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu ne m'échapperas pas, saleté. Yay, on a tout. Le champ de on a tout. Disparaît. Compagnie. Telzol, tu te rappelles d'une des premières règles que t'es censé faire appliquer sur le chat? Juste pour savoir. Hey, qu'est-ce qui te prend? Fox, flingue le type derrière moi. Heureusement que je regarde pas ce que t'es qui, hein. Tu peux venir m'aider? Fox, aide-moi, il y en a un qui me colle. T'as vu, les viewers ils savent mieux que toi, hein. Je veux pas capter. Mais je vais devoir mettre un viewer modo pour te ban, hein, ça continue. Vilain modo, vilain. Oh non! Fox, tu peux venir m'aider? Ah, c'est à moi de bouder, hein. Tu ne m'échapperas pas, saleté. C'est moi qu'on spoil. Je vois le point faible de l'ennemi. C'est bon. En fait, c'est super rapide à faire ce niveau une fois qu'on sait. Oh, hop, pas mal. Position confirmée, en voie de ravitaillement. Yep. Dommage. Ah, et quand je suis en train de jouer, c'est un petit peu compliqué de faire le modo tout à l'heure. Et on est bon. Ouais, c'est tout bon ce niveau au final. Bon, c'est le dernier où je vais m'en régler. Mais je m'en fous, j'ai plein de bombes. Du coup, Andros, on va pouvoir le truffer. On va faire de la compote. Papapouette. Bon, c'est de vis d'oreille. Venom, nous voilà. C'est sympa qu'ils aient fait un crossover avec Spider-Man. Bonne chance. Merci pour le follow Neko Yami, bienvenue. Genre ils sont 150 000, ils étaient tout seuls et tu les éclates tous, bah oui. Ah bon. Ça a vraiment pas tiré, hein. Il a engagé les 100 troupes. Merde, j'ai tiré sur un copain, je crois. Fox, tiens bon. Yes, j'aime bien. Bien. Voilà. Yay. Ok, sur la base directement, pour pas qu'il pop. Non, même pas. Je me charge la gauche. Hé, gros malin. Touché. Puis il est passé près de peau. Je vais à gauche. Nye, mais je voulais aller à... Mais... Oh... Je voulais aller à gauche, moi.
pas un petit peu de vie de temps en temps aussi. Ça me rappelle le jeu comment, Star Wars Racer sur 64 aussi, ça. Oh mince. Oula, oula, c'est bon. Je vais à gauche. Ah ouais. Attention. Son switch de quoi je comprends. Ah merde. Regardez le chat en provisant. Tant pis autant du coup. Mince. Ah tout ça me rappelle ton père. Hey, t'as un problème, Fox? Est-ce qu'on voit que j'aime pas trop Falco ou pas dans le jeu? Star Wars Racer? Ah oui, oui, je sais qu'il a sorti, mais je sais pas qu'il y a une version Switch du coup. Il est sympa, mais est toujours aussi dur. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Toujours aussi dur. J'ai un petit peu la trouille. Oh, on a bossé dans le boss. Approche pas trop, Fox. Analyse terminée. La voilà. Attention, première fois qu'on est obligé de passer à la verticale. Tête. Voilà. Bon, il est mort là. Merci bisous. N'abandonne jamais. Suis ton instinct. Ça fait penser à des phases de Panzer Dragoon quand même. Bon, j'y vais tout seul. Est-ce que ça a changé grand chose en vrai? Boss final. Il va se prendre 10 bombes dans la gueule, il va rien comprendre le pauvre. Je crois que j'en ai 9 ou 10, je sais plus. Là. Je t'attendais, Fox McCloud. Oh, il a un sale mal de gorge quand même, Andros. Il a pas écouté Kadara et Kadok. Il a trop respiré de ton pote. Tu sais bien que je contrôle toute la galaxie. Une largeur barre de vie. Quelle folie d'oser s'attaquer à moi. Va aller rejoindre ton père. Dis bon, yes. Putain non, putain, 9 c'est le max, dommage. En vrai, je pensais en avoir plus. Allez, Andros. On va m'expliquer quand même comment il fait ça, hein. Un jour. Bon, il fait pour avoir une grande tête dans l'espace tout seul. Ben, mais c'est dur de l'avoir avec des bombes en fait, du coup. C'est trop localisé ces trucs qui me chauffent. Là, mais je recule à mort et ça marche pas. Et c'est dégueulasse. Mais j'arrive vraiment pas à esquiver. Hein. J'arrive même pas à le viser correctement. La bombe dans la gueule, ça marchait, je sais même pas. Merde, on va dire.
fallait que t'aies poussé là. Yes, une en moins. Aïe. Merde. Non mais là je l'ai balancé à bombe. Ok, j'ai plus d'aile. Bon là normalement il n'y a plus de main, ça va. Il va rester sur un coin en freinant la blinde. Là, je fais rien. De la vie! De la vie! Incroyable. Ah bah là sans les mains c'est forcément plus simple. Ah merde, j'ai raté la vie, dommage. Allez, on se met dans un coin. Là, il y a des côtés bouge très bizarre le monsieur. D'accord, on dit il faut le bomber. Vu qu'on refile des bombes et tout. J'aurais dû fermer un peu plus sa vie peut-être avant. Et bon, il clignote très légèrement, mais trois fois rien. Ben, je savais pas que j'ai quand même eu les points. Je vais essayer de choper des trucs. J'aimerais bien avoir une peluche d'Andros, personne. Yes, de la vie et de la bombe. Je sais même pas si j'ai fait des dégâts là. Okay. On dirait il est pas content quand je lui tire dans la bouche. On a plus que 3 bombes. Bon, on va essayer d'en choper parce que. Ah! Ouais, j'aurais dû choper des bombes. Hein. Là. Ça ressemble à rien. Imagine une figurine de la tête d'Andros au-dessus de ton lit la nuit quand tu dors. Mon dieu. Yeah. Courageux, Fox. Bah nickel, sans perte de vie. T'as été chaud à la fin quand même. Bon bah de le finir une journée, c'était déjà pas mal. Merci Naoto. Shigeru Miyamoto. Franchement, la fin, j'étais pas sûr. Hein. Mais je comprends pourquoi tu m'as dit tu m'expliqueras pour le final parce que moi j'ai pas tout compris non plus. Bon, il nous reste encore un petit peu de temps de stream après. Est-ce que ça vous dirait un petit coup de Curse of the Dead God? Ça fait longtemps. Merci Yomitsupe. Le jeu du grid. Là, je voudrais en profiter pour voir un petit peu avec vous ce que je vais mettre la semaine prochaine entre les deux lives, ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas le Curse? Franchement, il est cool. Il est très très cool.
En plus, a priori, il y a une des devs qui est passée me voir la dernière fois en live. En mode scrub, vite fait. Je pensais qu'on aura un Star Fox sur Switch un jour. Des enfants. Yep. On l'a déjà commencé, on l'a déjà. Ah, tu parles de... Oui, mais... Une reconnaissance éternelle. Bravo. Mais merci beaucoup, Preston Play. Merci énormément pour les 5 euros. Merci beaucoup. Désolé, mon général, mais nous préférons rester indépendants. Oh, c'est mignon. Un petit message. Encore merci, Preston Play. Nous devons y aller à présent. Voilà le temps de prendre le goûter avec mes filles. En fait, il y a tout le monde qui s'est barré juste avant la fin qui revient là. Mais c'est déjà fini? Oui, mais Starlink, c'est pas un Star Fox. J'ai pas réussi à tenir plus de 2 heures dessus. Hein. Je me suis trop fait chier sur Starlink. Cette scène. Starlink, j'ai plus. J'ai dû le payer 20 balles avec le pack, le vaisseau et tout. En disant, bon, au pire, même si le jeu me casse les pieds, j'aurais pas beaucoup perdu le coup. Et je pensais pas qu'il me casserait les pieds à ce point-là, quoi. Je connais très peu de personnes qui ont un souvenir impérissable de jeu. Hein, clairement. En fait, il y a quelqu'un qui s'est barré avec leur vaisseau, ils essaient de le rattraper, c'est ça. J'essaie de comprendre pourquoi ils courent depuis tout à l'heure. C'est plus un jeu de chill qu'on peut utiliser avec des phases d'action qui font tâche avec le reste du jeu. Non, mais en fait, le problème, c'est que moi j'aime bien les jeux de chill, y'a pas de soucis. Mais il se passe rien, et quand il se passe quelque chose, c'est chiant et c'est pas contrôlable. Le Star Fox qu'on me commande, par contre, il y a de quoi faire. Hein. Je crois que j'avais terminé 5 ou 6 fins différentes sur le jeu. Et j'avais déjà mis un bon bout de temps dessus. Tu connais Julien Bardakoff, Link Enfant? Ouais, c'était chouette. Mais ça dure encore très longtemps. Parce que là, il n'y a même pas d'image de pompe ou soi. Tu peux cheater sur Starlink pour avoir les armes auto-guidées, sinon c'est impossible. Tu penses à cheater, tu peux cheater pour avoir des trucs achetables gratuitement. Le Starlink, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un... Alors, sur la version Switch, t'as Star Fox qui est dedans, mais c'est sorti sur tous les supports. Et voilà, t'as des sortes d'Arwing et tout, tu tiens, mais en fait, pour avoir les bonus dans le jeu, c'est comme sur Skylanders. Faut acheter les petites pièces en plastique pour les scanner et puis les mettre sur la manette. Sauf que, bah, ça coûte une blinde pour gagner 3 armes en plus. Il y a un système un petit peu élémentaire comme sur Spyro. Donc, tu peux pas, voilà, c'est pour vraiment profiter du jeu, faut tout acheter. Pour ça, j'ai pas trop d'origine, donc j'ai tous les DLC amiibo que je veux, d'accord.
Oui, entre autres, les noms français des Pokémon des deux premières générations, au moins, est devenu assez connu grâce à ça. D'accord, j'avais pas eu tout Link avant. Ouais, du coup, il doit s'occuper de pas mal de choses sur, sur la traduction Nintendo. Et regardez qui voilà, StarCat. Vas-y. Vas-y, Luna. Double roll. Qu'est-ce qu'il y a sur la bouffe? Petit chat. S'il y a vraiment quelque chose à la fin du générique où on peut passer à autre chose. J'ai peur de rater un truc. Déjà 4 mois, comme quoi le temps passe vite avec du café Tamer X. Merci beaucoup à Seyoru pour ces 4 mois. Merci pour ton soutien. Et oui, ça passe toujours vite le temps ici. J'espère que tu vas bien, tu racontes quoi de beau? Vas-y, fais un barrel roll. Montre comment tu sais bien faire le barrel roll. Barrel roll! Transformation. Super Katou. Petite panique du chacha. Voilà. Bon, normalement, elle fait pas ça. Ah oui, il vient de se réveiller. C'est peut-être pour ça. C'est nickel, écoute. Mais c'est super bien faire des loopings, hein. Surtout quand elle essaie de sauter sur son panier. Elle a un chamac, c'est un mac que tu colles sur les vitres. Donc j'ai appelé ça un chamac. Et des fois ça arrive qu'elle saute du lit jusqu'au truc, elle saute pas assez loin et du coup elle fait et tombe par terre. Donc oui, habite au looping. Alors attendez, en pensant là, je vais en profiter pour préparer la transition avec le prochain live. Hop. On continuera avec le Curse of the Dead Gods. On a même pas perdu de vie en plus. Sans continuer et sans perdre de vie. Incroyable. Ok. À l'ancienne, on va s'appeler. Ah ! Voilà, bien. Et on est good. Vous sédiste quand tu vas ? Parfait. Vous pouvez maintenant écouter la musique du jeu. Yay! Soliste tout de suite. Une mission avec un score assez élevé pour votre équipe au complet pour obtenir une médaille. Oui, on s'en fiche. Et les enfants, nickel!